Et salut tout le monde, c'est Trimano et on se retrouve aujourd'hui pour le bras de fer sur Hearthstone, donc les caprices du hasard. C'est un bras de fer qui a déjà été sorti avant, donc en octobre si je me souviens bien. Vous pourrez revoir la vidéo si vous voulez avec d'autres classes qui auront été jouées, démonistes et druides. Du coup cette fois nous allons jouer d'autres classes. Donc en quoi consiste ce bras de fer? Donc là on a une rencontre à la croisée, donc pas de deck à faire, c'est le jeu qui générera aléatoirement les cartes de notre deck. Et avec cette fois en plus, enfin bonus qu'on n'avait pas la dernière fois, on aura les cartes de la Ligue des Explorateurs. Donc Reno Jackson, Elise Cherche-Étoile et tous les trucs comme ça qui n'étaient pas dispo la dernière fois. Donc là on choisit juste la classe et donc on part à la recherche d'un adversaire. Et les cartes que l'on pioche auront un coût diminué. Par exemple, à titre d'exemple, un contrôle mental pourra coûter 1 de mana. Donc ce qui peut amener à des situations assez cocasses, donc compliquées ou arrangeantes, hein, ça dépend de la chance que nous avons et de la pioche surtout. Donc là, on va commencer par jouer prêtre. Prêtre, pourquoi? Parce que ça a pas mal de gestion de board. Dans ses sorts, ça a des mots de l'ombre douleur, des mots de l'ombre mort, des bombes de lumière, des contrôles mentaux, et tous des petits trucs comme ça qui peuvent être diminués et qui peuvent nous permettre de gérer une pression que nous mettrait un adversaire dès le début de partie. Donc Gul'dan, donc un démoniste, je trouve que c'est la meilleure classe de ce bras de fer. Parce qu'il peut piocher plus que nous, du coup, grâce à son pouvoir héroïque. Et comme le coût de nos cartes sont baissés, et ben ça... Du coup, on se vide notre main rapidement. Et du coup, le pouvoir du démoniste compense. Hop, donc là, on a une main pas mauvaise. Je pense qu'on va enlever le châtiment sacré, le Freakbold et gaz bleu. Quoique, on pourrait garder gaz bleu et châtiment sacré, vu que ça a l'air, enfin ça combote bien ensemble, qui sont diminués, par exemple le châtiment sacré à 0 de mana et gazleux à 1 de mana, pour aller jouer rapidement, ce qui permettrait de faire un truc assez sympa. Donc on va juste enlever le freebold, et on va garder l'ingénieur novice, donc pour la pioche, vu qu'on est contre un démoniste, ça peut nous permettre de ne pas nous mettre trop en retard dans le recyclage de deck. On chope un canon du navire, donc une 2-3 pour 2, c'est pas mauvais. Surtout que là, ça risque d'être une 2-3 pour 1, voire une 2-3 pour 0, on va bien voir. Alors, donc, notre adversaire a choisi, donc Ganga, le démoniste. Hop, alors, est-ce qu'il a quelque chose de sympa pour un mana? Il a pas l'air d'avoir quelque chose pour un mana. Il est peut-être AFK. On va lui dire bonjour. Voilà, le bruit de Hearthstone, ça réveille. Bizarre d'AFK juste après avoir lancé une game. Là il touche pas du tout ses cartes. Je pense qu'il est pas trop là. Ah si c'est bon, il est revenu. Donc Diablotin de sang, c'est pas encore trop violent. Un tour 1 pour un de mana, donc logique. Hop, donc là on va jouer le canon du navire, hein, qui a été diminué par le bras de fer, donc il coûte que 1. Comme ça on a une 2-3, on a un meilleur board pour le moment. A voir ce qui va nous sortir le prochain tour. Bon, ça c'est pas très effrayant. Je peux mettre un terme à votre... Ça c'est un petit peu plus embêtant, mais on peut le gérer. Ça gère assez facilement. Alors. Dommage que mon châtiment n'ait pas été diminué de mana. Comme ça, on aurait pu pièce gaz le châtiment. Et du coup, récupérer un mecha. Du coup, là, on a juste envie de piocher. Le démoniste voudra sûrement piocher le prochain tour, vu qu'il aura 3 de mana, si les cartes dans la main sont bien réduites. Du coup, là, on va juste trade le cochon et poser notre ingénieur novice, comme sanglier. Donc, on récupère un champion Nexus Sarad. Donc, ça peut être pas mal si son coût est vraiment diminué. On peut rapidement le jouer plus pouvoir héroïque. Il n'a pas de carte pour le gérer, donc voilà, donc comme prévu, le démoniste a pioché. On n'est pas en retard de cartes pour le moment, donc c'est sympa. Ça, je l'aurais jamais joué parce que ces cartes qui étaient diminuées vont coûter 5 de mana, du coup. Du coup, je trouve ça assez débile. Du coup, là, on peut jouer gazleux plus le châtiment sacré avec la pièce.
Bon, on va le faire. Hop, donc on piège Châtiment Sacré. Gazleux qui va nous donner un mecha. Char araignée. Donc c'est un des meilleurs tour 3 du jeu. Hein. C'est vachement sympa comme mecha. On passe. Là, notre but, du coup, vu qu'il a la sorcière des mers à Ragar, ça va être de la laisser en vie, justement, cette sorcière. Vu qu'il ne pourra pas jouer de cartes. Enfin, il pourra jouer qu'une carte par tour. Ou à chaque fois qu'il va la trade, eh ben, nous, on va la heal. On va heal cette carte. Hop, du coup là on a 4 de mana et notre champion Nexus Sarad qui vient de passer à 2. Du coup on peut le jouer en plus de pouvoir héroïque. Du coup on va récupérer un sort gratuit. Hop. Alors on récupère un voile de mort. Pas forcément utile, pas non plus pire. Donc on est à moitié content. On a récupéré un chroniqueur chaud, donc on a pioché. Je pense pas que je jouerai. Là, mon but, ça va juste être de garder la sorcière des mers Naga en vie. Et comme ça, je vais juste gagner la partie en faisant ça. Et bien, donc là, il me tue mon champion Nexus Sarad. C'était assez logique. On peut faire. Alors, donc là, ça fait 3, 5. 6-2. 2, 3, 4, 5. Non, 1, 2, 3, 4. On pourrait faire quelque chose à coup de Frickbold à Gild, plus Voile de Mort, après avoir interverti la 6-2. Mais le souci avec ça, c'est que ça 5-3 passe 3-5. Et du coup, qu'il peut venir la trade directement sur mon Gazleux. Ce qui est assez embêtant. Du coup, on va confusion. On va trade notre Gazleux dans la 6-2. Comme ça, il ne peut pas tuer son Naga. On va jouer un conservateur du musée. On va prendre Stalag et on va jouer un football. Et passer notre tour rapidement parce que la corde nous rattrapait. Du coup, voilà, on reste sur le plan de jeu de tenir en vie la sorcière des mers Naga. Vu que là, toutes ces cartes coûtent 5 dans la main. Même avec l'effet du bras de fer. Là, j'espère qu'il n'a pas un feu de lame pour tuer sa sorcière. Ce serait assez embêtant. Donc là, s'il pioche, il peut rien jouer, sachant que ces cartes coûteront toujours 5 de mana. Là, il peut jouer qu'une carte. C'est vraiment bon pour moi. Du coup, là, il peut pas jouer. Là, il va juste passer son tour. Il m'arrange. Hop. Du coup, on va aller face. On va healer sa 3-4 pour qu'elle repasse 3-5. On va jouer le chroniqueur chaud. Et c'est tout. On va pas jouer les autres cartes parce que sur Stalag il peut suicider sa sorcière des Nagas. Sur le champion de la lumière il peut la mettre à 1. Donc sur voile mortel il peut la tuer. Char araignée il peut la mettre à 2. Donc sur bombe de matière noire ou n'importe quoi il peut tuer sa sorcière des Nagas. Et donc nous c'est ce qu'on veut c'est encore la laisser en vie. Vu que là il joue un sanglier de broche rock, une 1-1 qui coûte 1 pour 5 de mana. Donc là on est largement favorable. Du coup là on va voile de mort le sanglier pour piocher. On va mode pouvoir bouclier 7.5, comme ça, ça lui donne 7 PV, ce qui nous permet de la garder en vie encore plus. Du coup, vu qu'elle a 7 PV, on pourrait char araignée, sachant qu'il a pas le feu de lame depuis tout à l'heure. On peut pas stalag vu qu'elle a 7 HP, on peut pas Vol'jin non plus parce que ça serait trop dangereux. On va char araignée parce qu'on se dit qu'il l'a pas depuis tout à l'heure le feu de lame, du coup on va se dire qu'il l'a toujours pas. Et on va se soigner, on garde l'attaque mentale au cas où on ait un Maligos ou une autre carte de spell power dans le deck. Il joue un Infernal de l'Effroi pour 6, il peut toujours pas tuer sa sorcière. Voilà. On va Vol'jin la 6-6. Les esprits, ils sont agités.
On va attaque mentale, vu qu'on va tuer notre frickbold dans le... Je viens de misplay. Oh, j'ai été bête. Oui, j'ai été bête. Moi, j'étais très bête vu que j'ai posé un Vol'jin. Du coup, il va pouvoir tuer sa sorcière des mers Naga. C'est assez embêtant. Demande. Mais bon, on va faire avec. Hop, du coup, on attaque mental. On trade l'infernal de l'effroi avec notre Freebold. Et du coup, là, vu qu'il va forcément pouvoir tuer sa sorcière des mers Naga, le prochain tour, on peut jeu d'esprit pour choper une nouvelle créature. Oh, ouais, parfait. J'en demandais pas autant. Du coup, il peut plus tuer sa sorcière, c'est magnifique. C'était la carte qui me sauvait la vie, enfin qui me faisait sûrement gagner, sauf s'il peut tuer le marcheur là, coup de bombe de matière noire ou d'un sort, d'un silence. Mais il lui resterait 4 de mana du coup. C'est bien, vous voyez, marcheur du 8 qui coûte 5 de mana. C'est vraiment la carte à ne pas jouer dans ce bras de fer, la sorcière des mers Naga, c'est. Très bête. Du coup, est-ce qu'on n'a pas l'étal? On a 10. On a 10 et on a l'étal. Du coup, avec le champion de la lumière, on silence le marcheur du vide. Du coup, il perd la provocation. Et on joue le capitaine céleste Krag, plus 2 de mana, qui a charge. Et du coup, 6 plus 4, ça fait 10. Et c'est le létal, c'est la victoire. Donc voilà, là c'est notre adversaire qui a misplay en jouant sa sorcière. Mais donc on avait juste à ne pas la laisser mourir pour avoir la victoire. Donc là c'était assez simple ce match. On va repartir directement avec une autre classe. Du coup sur ce bras de fer, on aura déjà fait démoniste, prêtre et druide. Je pense que voleur peut être intéressant. Je pense que guerrier n'est pas bon dans ce bras de fer. Voix héroïque n'a aucun acte. Je pense voleur ou chaman ou mage. Mais mage, on en voit vraiment beaucoup ces temps-ci. Enfin, je suis plus fan de mage. Du coup, je vais jouer voleur vu qu'on en voit presque pas. Des voleurs oil, des maligos ou des cancers. Hein, on n'en voit plus trop. Donc, on va avoir un petit voleur. Ça changera un peu. Enfin, même si en bras de fer, c'est pas des decks. C'est pas les decks classiques qu'on voit, mais. Des voleurs, c'est une sous-classe ces temps-ci. Je peux m'exprimer ainsi. Et on tombe contre un voleur. Bon, bien sûr, pour me casser mon explication, j'ai quelqu'un qui joue voleur. Mais ça arrive. Du coup, dans la main, on va juste garder l'ardeur. On va se dire qu'on pourra jouer tour 2 ou tour 3 quand il aura diminué de mana. Si, diminue de mana, ce que j'espère quand même. Donc là, pilleur de tombe, l'ardeur, champion de la lumière qui est inutile. Enfin, sauf si mon adversaire a des démons, mais ça m'étonnerait, un voleur. Hop, donc là, le coût du mana du pilleur de tombe qui a été diminué à 1. Tour 1, je pose une 5-4. Ça fout vachement la pression. Si mon adversaire a pas de sap ou de pièces éviscération, il va prendre 5 points de dégâts minimum venant de là, où je vais pouvoir trade des créatures gratuitement, sauf s'il a Misera à 1 de mana ou un truc encore plus relou, mais j'espère qu'il a pas ce genre de carte dans la main. Bien, pièce. Éviscération, peut-être? Val de guerre cuirassé, très bien. Faut que je gagne la joute. Ah oui, très bien. J'ai perdu la joute, tant pis. Oui, gagne charge. On va faire. Est-ce qu'on est obligé de trade? Ça semble embêtant que la shade ou l'ardeur n'ait pas été diminuée. Ou on va juste trade et champion de la lumière pour avoir du board. Du coup, ça nous donne une pièce. Du coup, on peut pièce éviscération en combo. Et c'est pas mal. Après, on peut pièce l'ardeur si le prochain tour il coûte 4 de mana. Pièce autre chose, hein, c'est. La pièce, c'est vraiment quelque chose d'important en voleur. Enfin, dans la classe voleur, vu qu'il y a beaucoup de cartes avec combo. Donc, combo qui est la mécanique de jeu, fait que ça a un effet supplémentaire ou un meilleur effet qu'on a déjà joué une carte précédemment. Hop, donc là, il joue favori de la foule qui gagne plus 1 plus 1 quand on joue un créature à cri de guerre. Heureusement pour moi, il n'en avait pas. Du coup, je peux trade gratuitement et poser l'ardeur plus shade vu qu'ils ont été réduits. Et je vais pièce et vis ça en fait.
Comme ça me permet de conserver ma 4-3 sur board. J'aurais pu préparation, parce que sachant qu'il me reste plus qu'une carte dans la main, la préparation me permet d'avoir une éviscération qui était 0, et ça n'impactait pas le fait que je joue la pièce. Enfin, ça m'aurait permis de garder la pièce pour jouer une créature, alors que la préparation ne trigger que sur les sorts, enfin ne diminue le coût en mana que des sorts. J'ai peut-être misplay, je sais pas, en fonction de si je piocherai un sort ou pas. Si je pioche le sprint, par exemple, ça aurait été très bien de garder la préparation. Après, si je pioche agent du SI7, des petits trucs comme ça, là, ça aurait été un misplay de discard la pièce. On va bien voir ce qu'on aura. Du coup, là, il crisse plus taper dans le teint de l'ardeur, et c'est l'abandon. Donc, je venais de piocher un vide poussé, donc apparemment il avait rien pour gérer le board, et il avait pas de grosses créatures à mettre. Nouvelle victoire en voleur. Bon, c'était assez rapide vu que l'adversaire a concédé tour 3. Du coup, on n'a pas pu voir grand-chose du voleur. Du coup, est-ce qu'on retourne avec la même classe, ou est-ce qu'on joue nouvelle classe, Shaman, Paladin intéressant avec tous les buffs que la classe a. Ça peut être pas mauvais aussi avec les réincarnations, les esprits ancestraux. Le voleur, c'est bête qu'il ait concédé tour 3, enfin tour 3, tour 4. Du coup, non, je pense qu'on va jouer Thrall, hein. Un petit chaman des familles. Hop. Donc chaman, hein, qui est classe vraiment, vraiment UP ces temps-ci sur le ladder avec le fameux chaman Cancer Blast. Hein. Le chaman qui va tout le temps face quasiment et qui peut faire 20 dégâts avec 4 de mana. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est quasiment ça. Très bien, donc là, qu'est-ce qu'on a? Zapomatique, golem arcanique, totem de vitalité. On va garder le Zapomatique, si on peut le jouer tout courant, c'est parfait. Golem arcanique, on n'a pas envie de donner un cristal de plus à notre adversaire, du coup on s'en fiche. Et le totem de vitalité en early, c'est juste une carte morte. Elle a 0 d'attaque, elle peut pas attaquer, elle nous sert strictement à rien. Du coup, on cherche à poser des créatures. Hop, donc tour 1, le Zapomatic qui est réduit à 1, donc c'est parfait. Donc on le joue comme ça, potentiellement le prochain tour, on peut lui faire 6 points de dégâts dans la tête, ou 3 de dégâts dans la face, plus trade une de ses créatures, si elle n'a que 3 de défense. Donc là, on a Alakir. Alakir, on espère qu'il passera à 2 de mana le prochain tour. Ce serait vraiment énorme. Bien. Donc Alakir n'est pas passé à 3, c'est bien dommage. Du coup, on va jouer l'infanterie de Gnome Regan, donc une charge provocation. Donc comme ça, on peut lui mettre directement 7 points de dégâts dans la tête. Ça nous servait à rien de jouer le Parlevent, à part développer une 3-3. Mais sachant qu'on a déjà une créature Furie des Vents, je préfère garder le Parlevent au cas où on chope une autre carte charge. Que ce soit plus intéressant de jouer dessus. Par exemple, le golem arcanique qu'on a mulligan, on peut faire 8 de dégâts facilement. Là, il joue l'apprenti du sorcier. Peut-être qu'il a un sort. Pas du tout. Du coup, on va Alakir et Parlevent. Bon, j'espère que ça va pas le faire concéder. On va Parlevent sur l'infanterie Gnome Regan. On va mettre 2 coups de l'infanterie sur l'apprenti du sorcier. On n'a pas envie de casser le bouclier du vin dû à la Kyr pour éviter de se prendre une boule de feu. Hop. Bon, du coup, là, il a 11 HP tour 3. Il va peut-être concéder s'il a rien pour gérer mes créatures. Ça serait assez embêtant. J'aimerais bien que les matchs durent quand même un peu plus longtemps que 4 tours. Que va-t-il jouer? Vous le voulez. La durateur est rien. Du coup, là, j'imagine que s'il a pas de sort pour clean mon board, il va juste concéder vu que j'ai l'état le prochain tour. Très bien, freeze gueule. Donc là, qu'est-ce qu'on espère? On espère un Orion de terre, un silence, n'importe quoi. Donc on va piocher, on va double vue. Oui, sanguinaire. C'est pas l'étal, ça. Si, je crois que si. S'il a pas de dragon en main, c'est l'étal. Il a un dragon en main, c'est pas l'étal. Du coup, on trade le freeze gueule avec Alakir. Donc il a pas de dragon en main, donc c'est la victoire. Hop, donc voilà, 4 de mana, j'ai eu une très bonne sortie, hein, à la Kyr tour 3, Zapomatic tour 1-1, j'ai eu de quoi gérer toutes les créatures qui m'a posé. Donc encore une game assez courte sur le bêta 3, parce qu'on peut pas montrer grand chose avec ce bras de fer, parce que si on a beaucoup de chance niveau
au niveau de la main et de la réduction de mana, ça va très vite. Ouais, voilà, du coup, c'était Trimano pour le bras de fer. Donc, le bras de fer assez spécial. Hein. Comme vous voyez, vous pouvez finir rapidement les parties hein, et faire énormément de victoires en très peu de temps en fonction de la chance du bras de fer que vous avez. Donc, voilà, ce sera tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau bras de fer sur Ivasun, du coup. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, sur Facebook, un peu partout. Vous avez tous les liens dans la description. Il vous suffit que d'un clic.